Salut les amis LBDciens, LBDciennes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2015. Et nous allons être sur la map, sur la ferme Limousine V2. Il est 6h42 du matin dans le jeu. Et à 6h42 du matin, qu'est-ce que je fais? Je pêche. C'est du grand n'importe quoi. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour pêcher, on est là pour faire de la... De la cultivation, bah, si c'est comme ça qu'on dit, hein. On est là pour cultiver, pour élever les poules, élever les vaches, enfin bon, un petit peu tout. Donc on y va. Alors sur le PC portable, j'ai mis à côté, là j'ai mis le manuel de la map, parce qu'il y a énormément de choses, et j'ai pas trop envie de me paumer là-dedans, j'ai pas envie de me faire chier à chercher pendant des heures. Le plan est indiqué dedans, avec les différentes zones et tout, donc c'est super. Donc je me téléporte là parce que vous voyez le bateau il n'avance pas, c'est un peu pourri hein. Attends. Ah si, ok. Le bateau il avance pas mais en fait je peux me... D'accord. Sachant qu'en plus c'est pas là où je veux aller. Bon c'est pas grave, je vais aller là, histoire de voir ce que c'est. Alors là je suis dans l'eau, normal. C'est normal, je suis dans l'eau en fait. Bah je grimpe. Hop, voilà, je suis sorti de l'eau. Allez, hop, je continue à grimper, je grimpe, je grimpe, je grimpe, et je me trouve ici. Voilà, bon, bah c'est bien. Mais encore, ah d'accord, c'est là où il y a le compost. Ok, bon, on n'est pas là pour faire du compost là pour le moment. Donc je me téléporte, c'est quoi ça? Oui, mais moi je veux pas être là. Je ne veux pas être ici d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai ici à y faire? Attends, déjà je suis où sur la map? Je suis ici. Ouais, mais je ne veux pas être là, moi. En fait, je veux me rapprocher de mes champs là-bas. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, non, non. Non, si, on part de là? On part de là? Bon. On part de là. Alors là, j'ai vu, il y a un champ à vendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce que je peux acheter? Oh, trop cher. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener ça à la ferme déjà pour commencer. Allez, hop, on regrimpe dedans. Et on y va, on décolle le petit péchauffage. Ah oui, j'ai mis un petit mod. Voilà, on va mettre ça. Attends, je vais ramener ça. Allez, hop, je pousse tout. Normal. J'étais bien dès le départ. Qu'est-ce que j'étais foutre à pousser tout ça? C'est un peu, on va atteler ça, voilà. Et maintenant, on va pouvoir se barrer de là. Je me tire. Je me tire de là. Je vais ramener ça à la ferme. Ça sera mieux. Jackson. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a rien. Bon bah ben, on se casse. Hein. Allez hop. C'est par là. Ouais, c'est quoi qui m'empêche là de tourner là? Bon. Alors dans cette map, il va y avoir beaucoup de téléportation, hein, j'annonce, parce que la map elle est quand même assez grande. J'ai pas envie d'aller retourner à Pince pour aller chercher l'autre tracteur. Il va y avoir pas mal de téléportations. Voilà. Ouais, donc là je descends. Voilà. La ferme est en bas. Alors je vais essayer de faire une carrière suivie là-dessus, sur cette map-là. Déjà parce qu'elle me plaît beaucoup cette map. J'ai essayé de la faire un petit peu, histoire de, que je sache où mettre les pieds en solo. Je l'ai faite un peu en solo pour voir. Il y a des trucs assez intéressants à explorer, à voir là-dessus.
beaucoup de possibilités, beaucoup de champs. Deux distributeurs de billets. Vous pourrez consulter la banque, c'est très bien. Un truc là. Une petite subtilité, voilà. Donc là, je descends. Je vais ouvrir le portail. Voilà, là, je rentre dans ma moissonneuse. Si j'arrive. Voilà. Germaine, elle m'a ouvert la porte, c'est très bien. Alors, il y a des choses à voir. Alors, ferme du bas. Donc, ferme de l'histoire. J'y suis. Alors, je regarde sur mon manuel parce que j'ai ça à côté. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors là, c'est la stockage gasoil. Alors, est-ce que j'ai quelque chose ici? Normalement, si je fais ça. En fait, ça sert à rien. Bon, stockage gasoil. On sait qu'il y a un stockage gasoil, mais qui ne sert à rien. Hangar à matériel. Donc, c'est le 3. Donc, il faut que j'aille au 3. Donc, le 3, il se trouve derrière. Stockage matériel. Matériel, je pense que c'est ce qui pend là. Hein, c'est ce qui est accroché là. Donc, voilà. Stockage matériel. Je descends, voilà, j'ouvre la porte, voilà, grand hangar, voilà, qui est énorme, voilà, je regrande dans la moissonneuse, je passe là, ouais, je passe, donc stockage matériel, alors, là ici on a le stockage matériel, enfin, je sais pas trop ce qui stocke là, mais bon, cela dit c'est vachement grand, hein. Deux portes. Ah, j'ai deux portes. Non, j'ai pas de porte. Ah bah tiens, si. Non. Bon, hop, je vais la garer là. Stockage matériel, on va dire que c'est du gros matériel. Ouais, je rentre. Bon, je vais au fond, hein, ça fait de la place. Hein. Voilà. Je l'arrête, je me téléporte. Maintenant, je démarre avec celui-là. Alors, hop. Déjà, ça commence bien. Je défonce tout. Donc, alors. Bon, déjà, ça commence bien. Je fais n'importe quoi. Donc, déjà, ça me permet de voir où j'en suis. Que je peux attacher là. Oui. Hop. Allez. C'est parti. On y va. On va mettre un peu de lumière. Voilà. Hop. On décolle. Alors vous avez vu, la ferme est quand même assez grande. Hein. Il y a beaucoup de choix dans le où stocker les trucs. Bon, on va essayer de stocker comme ils disent dans le plan, enfin dans le manuel. L'habitude à prendre. Oh là là. Oh là, je suis n'importe quoi. Hop, vu l'intérieur, ça sera mieux. L'extérieur. Ah déjà, ça monte. Par contre, je sais qu'il y a les clignotants là-dessus, mais je sais pas du tout les boutons. J'ai pas regardé. Je vous cache pas que j'ai pas cherché. Donc, si vous pouvez me dire quel bouton c'est, quelle touche c'est, indiquez ça dans les commentaires. Ça serait super cool.
Alors, donc il y a la zone 1 et 2 sur la sur le plan de la ferme du haut. C'est le stockage des engrais et des semences. Ça, ça va être très utile tout de suite même. Parce que là, j'ai un tracteur qui est un peu plus grand. Stockage matériel. Bon, déjà, cette petite benne, je vais la mettre ici. Est-ce que je vais arriver à faire en marche arrière? Ça serait bien. Est-ce qu'il y a des restes de TS2? Normalement, ouais. Normalement, je devrais me débrouiller pas trop mal. Bon, déjà, c'est raté. C'est pas dans mon truc que je vais aller. Voilà, là, là, on devrait être bon. Ah, on est bien là. On est bien pour me garer dedans. Eh. Oh là là. Ah, bah, c'est de garer ça droit quand même. Oh, et impeccable. Hop, je détache. Je détache. Eh, mais il est bien, là. Impeccable. Eh, franchement, là, au top. Bon, maintenant, lui, je vais le garer parce que lui, il est trop petit. Je vais pas en avoir besoin. Parce que je vais pas acheter de tracteur tout de suite, en fait. Je vais le garer à côté. Tiens, je vais le garer là. Ça va bien. Hop. Oh, ça me plaît pas trop là. Je passe là, oui. Voilà, hop. Je m'en vais de là, je descends. Hop. Ah, mais... Ah, ça va pas sortir. Alors... oui, le truc, hein, donc là c'est le petit stockage d'engrais et de semis. Donc tout à l'heure, enfin non, dans une prochaine vidéo je pense, ça, ça va servir. Voilà, parce que là on a les sacs avec les graines dedans, tout ce qui va bien. Là on a le, je sais pas comment on appelle ça, l'appareil à semis là. Et donc, ouais, je vais avoir besoin de ça. Par contre, est-ce que je peux faire avec une avec le petit tracteur la charrue? Ouais, parce que c'est pas trop lourd, donc ouais, 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 si je peux le faire en fait. Donc non, je vais le reprendre en fait là. Non, je vais pas le prendre, je vais faire avec l'autre. La charrue, il faut quand même un peu de... Voilà, on va prendre celui-là. Hop. Est-ce que... Déjà j'ai un poids devant là qui va gêner. Ah non, il va pas gêner en fait, je vais le prendre. Hop. Ouais non, je suis pas en face en fait. Il faut bien être en face, sinon ça prend pas. Voilà, hop. Donc ça, ok. Donc là, j'ai ma masse devant. Maintenant, on va prendre la charrue. J'avais repéré un champ qui était pas cher. Et j'ai bien envie de le prendre. Voilà. Donc là j'y vais avec ça. Merde con. J'ai merdé.
Voilà, allumer les feux, on sera bien. On va même ce morceau de derrière. Voilà, allez, hop. Moi j'avais repéré un champ. Qui n'était pas cher. Qui est prêt à être labouré. On va aller à celui-là. Quand même bien fait hein, ce jeu là, moi j'aime bien. Ouh les caillasses. Je fais des conneries là. César, ouvre-toi. Hop. Je vais acheter pas celui-là. Celui-ci. Voilà. Et je vais l'acheter. Il est pas mal. Ah d'accord, j'ai à moitié défoncé le panneau. Bon d'accord. Voilà, il va me coûter que 1420 €, donc je vais l'acheter. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Maintenant. Ouais, je vais le mettre comme ça. Hop. La charrue, je vais la préparer. Attends, je vais remettre ça déjà. Tourner la charrue. B. C'est en sens que je veux là. Non, attends, B. Si je fais B. Ah voilà. Ah ça c'est le sens que je voulais. Donc, je vais reculer à fond. Voilà. Et comme je suis gentil, voilà, je vais engager un ouvrier. Qui va être très gentil, qui va travailler pour moi, voilà. Donc c'est H, voilà. Et normalement, il va travailler tout seul parce qu'il est gentil, le monsieur, l'intérimaire qui était planqué dans le buisson. Ouais, enfin, il n'est pas pressé non plus. Hein. Voilà. Donc moi maintenant, je vais me téléporter. Allez, j'aime bien me téléporter, moi. Voilà. Alors, ah mais j'en ai un deuxième en fait là. Mais il sort d'où celui-là? Ah ok, là la ferme du haut, mais j'en veux pas de celui-là pour le moment. Je me re-téléporte. Voilà, je vais prendre ce... attends, non pas celui-là. Celui-là, hop. Alors, j'ai combien? 10 000. Bon bah, là maintenant... Alors, je crois pas que ça soit ouvert. Je vais aller voir quand même. Je vais aller dans le centre-ville. Allez hop, on y va. Alors, c'est bon. Ok, allez hop, c'est parti. Voilà. Oh, bim. Fait feu. Alors je suis pas sûr, mais je crois que c'est trop tôt, il me semble, je me rappelle plus.
Parce qu'il y a des horaires à respecter en fait. Là, je vais aller au concessionnaire. En fait, non, attends, je dis des conneries. Je dis des conneries. Je dis des conneries. Q, je crois que Q c'est marcheuse animaux. Donc en fait, je vais faire demi-tour. En fait, je suis carrément pour il faut. Je vais faire demi-tour. Hop. Ah la vache, on va bien celui-là. Allez, on marche aux animaux. On va voir ce que ça donne. Hein. Oui, c'est tout droit. Allez hop, on y va. Alors, je vais acheter des poules. Alors, les poules, il paraît qu'il n'y a pas besoin de s'en occuper, ça donne des œufs tous les jours. Donc on va tenter le coup, on verra bien ce que ça dit. Combien qu'il me coûterait celui-là, parce que le terrain il est pas bien grand. Ah, combien tu vends? Ouais, non, pour l'instant trop cher, pour l'instant on n'y est pas. On va aller chercher les poupoules. C'est qu'il n'y a pas de circulation. Au départ, ça me faisait bizarre. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de... Ouais, je fais n'importe quoi. Le fait qu'il n'y ait pas de circulation, en fait, c'est vachement mieux. Enfin, je trouve. Hein. Il est magnifique. Alors je sais pas si c'est réaliste, si c'est vraiment comme ça, mais en tous les cas ça fait réaliste. Toutes les montées, les descentes, un petit peu de tout. On va aller ici. Alors là, ce qu'ils appellent, c'est le marché aux animaux. Alors, je sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller. Est-ce qu'on peut acheter quelque chose par ici? J'en sais strictement rien. Rien du tout. Je vais descendre. Open. Ah mais moi, je vais acheter quelque chose. Je sais pas si c'est là. Oh, ça a l'air glauque là. Ouh. En fait, il n'y a rien. Monsieur, il y a quelqu'un? Il n'y a rien en fait. Marché aux animaux, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, bah... je vais faire une commande internet, hein. Je vais faire une commande internet. Voilà, on va acheter les animaux. Alors,
Animaux. Je sélectionne. On va prendre des poules. Ah, j'en prends une dizaine, tiens, allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Voilà. On a acheté 10 poules. On va aller voir le bordel que ça va être maintenant au poulailler. Hop, on se casse. Je m'en vais. Non, je regrimpe dedans. Maintenant, on va retourner à la ferme. On va aller voir la gueule du poulailler. Et je vais surveiller mon gars quand même parce que je crois que faut que j'aille le surveiller quand même un peu. Voilà, si c'est là. Est-ce que je peux passer par là? Non, je ne peux pas. Faut que j'avance encore un peu. Attends, je l'ai pas fait en échelle 1 le temps. Je l'ai pas fait en échelle 1, voilà. Ah, c'est mieux là. Je peux y aller ou pas? J'avance encore un peu. Là, ouais, je peux y aller. Hop, j'y vais. C'est par là. Je vais aller voir mon gars. Voir s'il a bien travaillé, quand même. Parce que je le paye, hein, mine de rien, ce gars-là. Oh, pas passer le bestiau. Quelque chose, là? Un stockage? Ça peut être intéressant, ça. Ah. J'entends quelque chose. Attends, je le vois pas. Ah, il est là. Il est là. Il est là. Ah bah, il est pas pressé, hein. Je vais aller le voir. Bon, Gilbert, ça avance pas beaucoup, hein. Il avance pas, Gilbert. Faut pas être pressé avec Gilbert. Effectivement, faut pas être pressé. Bon, le paravillaire de quand même du bon taf, le mec. Attends, je fais n'importe quoi là. Je vais pas passer par là. Je vais passer par la route. Voilà.
que je vais le laisser ça. Ah, on va tourner là. Voilà, on est dans le centre du village, enfin de la ville, je sais pas. Donc, hop, déjà je m'arrête là, hop. On va aller consulter les comptes. Voir ce que ça dit. Alors, ça, c'est un des distributeurs de billets. Hop, consulter les finances R. Prêt, 50 000. Paiement des salaires, oh la vache, 230 euros déjà. Coût des entretiens des véhicules, moins 86. Dépenses pour cheptel, 700 euros. Bah, j'ai acheté des poules. Oh là, ça descend là. Ah ouais, non, mais en fait, le mec, il va me ruiner là. Il va me ruiner. Bon, c'est pas grave, je peux encore faire un crédit de 150 000 si je veux. Mais bon, c'est pas utile pour le moment. On verra bien plus tard. Alors, hop, je vais grimper dans mon beau vésicule. Hop. Hop. Alors, on va rentrer à la maison, on va voir les poules. Les poules, et après ce sera la fin de ce premier épisode, et je pense va être assez long. Je pense on va essayer de se faire un truc bien, avec se planter des éoliennes, c'est pas mal ça. J'ai vu les éoliennes là, ça rapporte beaucoup. Bon, par contre ça dépense vachement aussi. Je vais rentrer par le deuxième accès. C'est le deuxième accès. Oh, c'était là. Alors en face, là, pas la maison, mais en fait, après le pont, tourner à gauche, c'est la ferme du haut. En fait, il y a deux fermes. Hein. C'est la ferme du bas, là où je suis, là. Et il y a la ferme du haut après. Alors normalement il y a 10 poules. Ouais, enfin elles sont un peu en vrac. Hein. Je vais aller les garer. Je passe là, ouais. Hop, on va le laisser comme ça. Hop, allez, on va aller voir les poules. Ah, mais sors de là. Alors. Normalement, j'ai 10 poules et un coq. Il fait beau le coq, hein. Ah, j'avais fermé ça. Et on arrête ce premier épisode. Voilà. Bah, c'était le premier épisode de la ferme limousine sur Farming Simulator 2015. Et je vous dis à bientôt, tout le monde.